place pour un Q1, Q2. Il pourrait très bien se retrouver encore une fois comme hier en Q1, Q2. Je sais pas où t'es, va voir l'écran là-bas. Donc les deux joueurs qui s'apprécient, se congratulent. Oh, et puis des belles courses. RR, KB1, GV1, MC3. Donc un mauvais départ pour les deux, ils se poussent, ils se taquinent. Ils sont tombés à deux pièces tous les deux. Des petits items pas très utiles. Est-ce qu'ils vont piéger, balancer? Donc pour l'instant, les deux objets sont débarrassés. Et Adrien Hachu se retrouve à zéro pièce. Aïe aïe aïe. Oh là là, l'étoile pour repartir. Et Bananas prend aussi des tombes. Oh là là. Gift contre gift. Toujours zéro pièce pour Adrien. Ça va être compliqué d'aller vite dans ces conditions. Mais Bananas tombe comme Adrien. Ça risque d'être la Rainbow Road la plus longue du monde. Alors. Oh là là, mais c'est terrible. Mon Dieu, mais Adrien va revenir sur Martin. Et en plus, il a une plume. Oh là là, mais... Oh. Et voilà, Adrien finit par dépasser Martin. Et le singe prend sa propre banane. La banane prise par Banana. Quel paradoxe. Bien, une plume pour tous les deux, ça commence à mieux rouler. Et Adrien, va-t-il tenter la plume? Va-t-il avoir du style pour s'imposer sur cette rainbow? La plume. Et la plume qui est réussie. Bravo. Très belle victoire. Nous passons maintenant à KB1. Et cette fois, encore un bon départ pour Adrien. Enfin, un bon départ enfin pour Adrien. Une petite verte contre une plume qui va être utilisée. Oh, j'ai failli croire dès maintenant. Ouais, on coupe un petit peu le bradeau ici. C'est pas un gain flagrant. Deuxième passage d'option. Est-ce qu'on aura mieux? Ouh, une étoile pour Martin. Ça, ça va être intéressant. Il l'actionne. Il passe le plus à droite possible. Il va... Oh! Et l'étoile qui s'arrête au moment où il approche du poisson. Oh là là, une rouge en cadeau. Va attendre d'avoir plus de champ pour la lui tirer. Sûrement après le bradeau vers la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il va couper un peu pour... Voilà, maintenant... Oh, il tombe! Ah, ces occasions manquées, quel gâchis! Aïe, aïe, aïe! 2-0 pour Adrien, du coup. Et GV1, un grand classique pour ces deux joueurs. Adrien fait la course en tête. Oh, mais il se fait stopper. Et du coup, Martin revient. On va enfin avoir du duel, du contact. Oh, Martin s'empale sur la verte qu'a déposé Adrien. Il va falloir utiliser cette plume. Hein. Voilà. On va prendre la banane. Un fantôme qui ne servira à rien tant qu'Adrien ne prendra pas d'objet. Ce qui va s'empresser de ne pas faire. Ah, il t'a fait voler un champignon.
Donc Martin va pouvoir revenir un petit peu dans la lutte. Sauf qu'il l'utilise comme ça. Ah, il est dernier tour, il y a vraiment trop d'avance. Là, il faudrait un éclair. Mais je pense que une simple plume, effectivement, ne suffira pas. Donc Adrien s'impose dans ce match. Est-ce que ça sera 3-0 3-1, pardon, 4-0. Il n'y a plus que ça à définir. Même si Martin n'a pas démérité, il s'incline devant son jeune compagnon d'équipe. Ah, et voilà, une petite rouge pour rétablir la hiérarchie des plug and play. Et Martin qui se prend encore un Fener. Ah là là, décidément. Adrien essaie de relancer Martin de DP, mais ça ne suffit pas. Ah, il a zéro pièce, ça va être intéressant. Allez, on sort pas. Et du coup, comme Adrien était à zéro pièce, il a tourné. Et une étoile pour Martin, qui lui donne un bon avantage là-dessus. Alors que Samy a battu Martin Van Asteren 4-0. Donc Martin continue de tracer en tête. Il a l'air bien parti pour s'imposer dans ce match. Toujours une course très propre de Martin. Il a l'air enfin apaisé. Oh, mais il rate ce virage 180 degrés. Et Adrien lui passe devant. Mais la rouge tirée en arrière atteint son but finalement. Et Martin va réussir aussi à perdre cette traque alors qu'il avait un bon avantage. C'est incroyable. Mon Dieu. Oh là là, et oh là là, quelle catastrophe. Décidément, il boira le calice jusqu'à la lie. Et voilà, 4-0 pour Adrien, c'est nettoyé.